Salut à toutes et à tous, c'est Superdrigo. J'espère très très bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on prend une nouvelle vidéo. Donc ça va être ma Toyota Supra Lego Speed Champion 2021. Donc c'est une voiture de course, la Toyota Supra. Donc elle a surtout été connue dans le film Fast and Furious. Donc c'est la petite orange là, orange, je crois qu'elle avait aussi avoir des bandes vertes, enfin des flammes vertes, c'était celle-là. Donc les premiers Fast and Furious 2001, ouais, c'était celle-ci. Mais ça, c'est la nouvelle de 2021. Donc du coup, voilà. Donc lui, elle roule très bien. En plus, c'est la version GR, donc la version vraiment sport. Donc du coup, donc, je vais vous présenter le bonhomme. J'allais dire, nous allons vous présenter le bonhomme. Je vais vous présenter le bonhomme, surtout. C'est moi qui fais la vidéo, voilà. Donc il est vraiment pas mal. Il a une double tête, voilà. Donc derrière son casque. Il a une tête content, mais un peu moins. Oui, je l'ai vraiment la tête qui sourit de plus. Il dirait qu'il est euphorique d'avoir cette voiture. En même temps, c'est normal. Parce que c'est une voiture qui fait, je crois, je sais pas combien de chevaux, peut-être au moins bien 500 chevaux, au moins. 300 chevaux. Donc, il est heureux de conduire ce bolide, notre pilote. Donc, tu vois, c'est marqué Toyota. J'étais très content quand ils ont sorti la Toyota Supra parce que je la trouvais super belle. Je savais pas que Lego allait la faire. Du coup, voilà. Hop. Franchement, elle est super belle. Elle est très grosse aussi en taille. Il faut moins bien 1 h 30 pour la monter. Ça rapproche un petit peu. Si vous avez déjà pris bah, en taille, la Ferrari. Je l'avais pas acheté ça, je la trouvais pas très belle moi. Moi j'avais acheté la Nissan GT-R, donc Nismo. Donc ça rapproche, c'est la même taille. Hein. Elle est quand même assez lourde. Franchement, elle est très très belle. Le logo Toyota devant. Franchement, on reconnaît tout de suite que c'est une Toyota Supra. Donc du coup, voilà. Donc oui, ce set-là coûte. Allez, on va dire 19,99 €. Voilà. 20 euros, même pas. Ça fait. C'est vraiment pas cher. Pour le nombre de pièces qu'il y a dedans, ça va. Parce qu'on ne paraît pas, mais j'ai quand même un petit peu galéré pour la monter. Donc, du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, mettre un commentaire. Et attendez, c'est pas déjà fait. Ciao, ciao, c'est Superdrigo.